Et salut les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissante3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Far Cry Primal sur PC. Donc je le rappelle, un jeu qui m'a été offert par Nick Wok. Encore une fois, un immense merci à lui. Salut boule de poil, salut Hera, histoire de t'appeler de ton vrai nom, puisque les choses ont été décidées ainsi. Du coup, nous sommes non loin d'une zone, il me semble, où je pouvais chasser le Doll ou le Jaguar. Je crois que je voulais adopter un Jaguar. Et quelqu'un m'a dit, Et attends mec, regarde, des fois c'est marqué, voilà, peau de tapir, un petit mammifère qui ne se montre que la nuit. Donc Alice m'a fait remarquer justement que nous avions quelques petits conseils, quelques informations supplémentaires. Donc ça promet être intéressant. On va d'abord essayer d'aller capturer un Doll. Et une fois qu'on aura un Doll, tu viens Hera ? Viens à la maison s'il te plaît. Enfin la maison, façon de parler. Et une fois qu'on aura réussi à récupérer un Doll, on ira chasser le... Ah, est-ce que c'en est pas un, ça? Ah, je l'ai raté. Revenez, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous! Bah écoute, est-ce que tu peux aller là-bas, voilà. Je te rappellerai dans quelques minutes quand j'aurai besoin de toi. Ah ah ah. Bah, je voulais pas pouvoir forcément apprivoiser un jaguar. Jaguar apprivoisé. Bon bah je vais fouiller le corps de ton camarade, je suis désolé. Mais en même temps c'est pour la bonne cause. D'ailleurs je suis en train de me dire. Hera a dû disparaître. Et qu'est-ce que ça vaut un jaguar d'ailleurs? Discrétion maximum. Mais la force, on y perd. Il faudrait vraiment que j'arrive à choper un jaguar noir. Mais bon, du coup, on va rappeler Hera. On essaiera de trouver un nom pour ces bestioles-là plus tard. Parce que finalement, ce sont des bestioles qu'on utilisera moins. Enfin, des bestioles. C'est vachement péjoratif, je trouve, de les appeler comme ça. Des bestioles. Attaquez pas mes collègues. Mais non, mais arrête de les faire fuir. Comment veux-tu que j'en capture un si jamais tu les fais tous fuir, toi? On reste par là, s'il te plaît. Voilà. Voilà, bien manger. Mais non, mais regarde. Doudou. Ça va toi? Ça a de sacrés dents, Doll, hein. Des oreilles, je veux dire, pas les dents. Attends, faut que je me soigne. Tu m'excuseras, 30 secondes. T'as quand même tué un de mes camarades, j'apprécie pas trop, hein. Alors attendez, c'est pas compétent ce que je voulais voir. On va quand même récupérer de la plante verte si on peut. On va rappeler Hera aussi si on le peut aussi. Quoi que je peux te révoquer, toi. Dans votre menu bête, c'est comme les Pokémon. On invente des Pokéballs et on y va. Ah, c'est un jaguar, pas besoin. Sauf s'il est sombre. C'est un sanglier, non merci. Ne fonce pas dessus, toi, hein. Fuis.
t'ai déjà capturé, alors tu m'excuseras de te tuer, mais bon, en même temps, t'as essayé de me faire du mal. Attends, je vais te fouiller quand même. Voilà. Encore une fois, c'est pour la bonne cause. Je cherche des dolls. Je suis déjà à fond pour ça. Attendez. Là. Ménagerie. Ça va toi? Bon, ça c'est fait. Naughty. Il nous reste le loup tigré et on sera tranquille. Plus 20 points Uplay. Donc ça, parfait. Les loups, ils sont où déjà? J'imagine qu'ils ne sortent que de nuit, les loups aussi, non? Loup, y es-tu? M'entends-tu? Où es-tu? Loup, loup. Un prédateur de grande taille qui chasse en meute. On va essayer d'en choper un, quand même. Ça me ferait plaisir. Et compétences, je suis à combien? Je suis à 3. C'est pas si mal. Et je peux augmenter ceci pour pouvoir... attraper un tigre à dents de sabre. Quoi que je pourrais aussi activer ceci. Ce serait pas si mal. Bon, ça s'apprend qu'un point, donc je vais le prendre. Voilà. Et je vais peut-être bien essayer de chasser le loup. En me déplaçant jusqu'ici, puisque j'ai eu tout le reste. Non, ça ne vous semble pas logique comme... comme façon de procéder. Sinon j'ai quoi là dans les environs? Est-ce que c'est du moyen ou du difficile? Difficile. 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 Ah, moyenne pour celle-ci. Moyenne. J'essaie de regarder un petit peu ce qu'on a. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse aussi ces missions là. Difficile et celle-ci est plus moyenne. Pistez les Wenja capturés par la tribu Isila. Histoire qu'on avance un petit peu dans le jeu. Bref, on va essayer d'aller chercher le loup tigré si possible. On va bien voir comment les choses vont se dérouler. Ça se trouve, on va se faire dévorer tout cru. On ne pourra rien faire pour lutter contre ça. Alors, y a-t-il des choses ici qui pourraient m'intéresser éventuellement? Non, ça, je suis plein, 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 plein. Ah, pas plein. Ouais, je suis plein aussi. Alors... il nous faut donc un loup. Un loup, mes amis, un loup. Il nous faut un loup tigré. Donc, vu qu'un loup tigré est une espèce rare, je crois. Enfin, je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie ça à un moment ou un autre. Et pour cela, il nous suffit de venir dans le menu bête. Oui, c'est un loup rare, le loup tigré. Donc, on va essayer d'en repérer un à l'odeur, puisque c'est bien connu. Les bestioles rares, elles fouettent. Ah. Parfait, parfait, vas-y. Non, ne fais pas gron-gron. Yeah, baby. Voilà, ça c'est fait. Je suis ravi de te rencontrer, loup tigré. Le suivant. D'ailleurs, compétent, je suis repassé à plus 3. Ouh. Et par contre, vous remarquerez qu'il faut 2000 d'XP maintenant. Hein. Ça commence à être chaud tout ça. Ok. Donc, loup tigré, c'est bon. Maintenant, il nous faudrait tout ça. Le léopard, maintenant apprivoisable dans Horos. Ok, ok. Donc, il faudra trouver un nom pour chacun d'entre eux. J'essaierai de me débrouiller, je crois. Je prendrai un screen une fois qu'on les aura tous et je vous proposerai vraiment de choisir. Parce que là, tous ceux-là, à mon avis, ils valent pas grand-chose. Faudrait vraiment piocher dans la troisième catégorie. Parce que
Oui, discrétion, c'est pas top, c'est beaucoup plus fort, mais je pense que c'est celui-ci que je voudrais, moi. Le jaguar rare. On va essayer d'en chercher un, si possible. Et à chaque fois, je me trompe de touche. Donc, on avait dit que les jaguars étaient où? Là. On va essayer d'y retourner, quand même, pour voir. Le mec, il fait des allers-retours. À droite. Tum, tum, tum. À gauche. Ou je sais plus dans quel sens c'est. Non, cher brave bête. Est-ce que je suis toujours dans... À mon avis, il faut que je vise. Ah, c'est parce qu'il fait nuit, du coup il chasse plus le jour. Bon, attendez, on va aller dormir du coup. Par contre, c'est où qu'on dort? Là. Tum 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 tum, ces soirées là. C'est vieux ça aussi. Sachant que c'était un hommage, je sais pas comment on pourrait appeler ça, à Clo-Clo. Il me semble. C'est à laquelle je pense, en tout cas, la chanson de Yannick, qui avait fait fureur à l'époque où... Moi j'étais petit. Pas petit, pas si petit que ça, mais bon, ado quoi, on va dire. Je suis plein partout. Ah, la peau de mammouth. Qui terminera dans mon sac. Alors, est-ce que le jaguar a fait son apparition? Oui, il est là. Allez, c'est parti. Il nous faut trouver la bestiole. Parmi les bestioles... Attendez, attendez, y'a quoi là-bas? Oh, punaise! Non! Ne le stressez pas, s'il vous plaît, ne le stressez pas. Oui. Oh oui. Attendez. Attendez, on l'a enfin. Un léopard, est-ce que c'est mieux ou pas? Non, non, lui, c'est... Lui, on va le garder, là. Lui ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas. Il va falloir y trouver un nom. J'aurais bien aimé voir tes yeux. Est-ce que tu peux venir un petit peu plus près par là, s'il te plaît? Là, on vient, on s'éloigne des... On s'éloigne des mammouths avant que tu leur fasses peur, viens par là. C'est vrai qu'on la voit très peu. Au pied. Là, j'ai dit. Ah, j'arriverai pas à prendre une seule bonne photo de toi, hein. Comme c'est mignon. Bon, tant pis, j'aurais pris plusieurs screens, on verra bien. Bon bah Hera, je suis désolé, mais cette chose là me va mieux. C'est moins imposant, il faudra quand même que je capture des ours, et du tigre à dents de sable. D'ailleurs on pourrait s'en occuper dès maintenant, hein, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez, il y aura des ours pas loin quoi qu'il arrive, regardez les ours là, il y a du dent de lion, enfin dent de sabre ici. Lion à dents de sabre. Donc pourquoi se casser la tête? On va y aller dès maintenant. Et aller chasser du gus-gus, machin-chose, dans le sabre. Voilà. Il faudra que je fasse gaffe au poisson croc. Après, il nous manque le léopard et le lion noir rare. J'aurais pu aller le chasser celui-là aussi. Là. Le lion des cavernes noir rare. Mais il a quasiment... Il a plus de force, mais il a pas plus de discrétion au final. Donc bon... Je me dis que lui, s'il arrive avec discrétion contre ses ennemis, il peut les tuer très rapidement. Par contre, ah oui, je ne peux pas avoir... Ah, mais par contre, je peux avoir le... Oh, punaise, la violence du truc, quand même. Ça, c'est des animaux spéciaux. Pour apprivoiser cette bête. Punaise, c'est violent. Chaque fois, je me trompe de touche. Cas, j'ai un chat, un gros chat noir. Et il faudra y trouver un nom, mais comme d'habitude, entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où elle arrivera sur internet, ou même le moment où... J'avais dit que je vais faire attention au poisson croc. Et voilà que je me tape un crocodile.
Moi, je m'en fous, je traverse. Rien ni personne ne viendra me dévorer cette fois-ci. Et t'approche pas de l'eau, le chat. Toi, je t'ai déjà. Pas que je m'en fous, mais un peu quand même. Je veux un tigre à dents de sabre. Cochon, gentil. Ou méchant d'ailleurs, la question ne se pose pas. Bon là, il semblerait qu'il y ait quelque chose. Attends, faut que tu te calmes, toi. Hop, je te renvoie, désolé. S'il y a des cerfs, ça veut dire que c'est encore trop loin. Ça, c'est encore du sanglier. J'essaie de me diriger un petit peu au son, c'est pour ça que je me tais. Vous avez entendu un bruit violent signalant que un greux se trouvait pas loin? Un greux à grandes dents. Le jour où il va me tomber dessus, je vais le sentir passer aussi, le greux à grandes dents. Mais je n'en trouve aucun qui se promène dans les environs. C'est pas un greux à grandes dents comme je le voudrais, lui. C'est un demi-greux à grandes dents. Ah non. Je te préviens, si tu me chasses... Rends-moi ma sagaie. Il aura pas voulu, lui. Ça prouve qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ah, ici. Chut, fais tilt, s'il te plaît, fais tilt. Ah, mais j'ai déjà celui-là. Désolé. C'est pas la peine de faire greux. Si c'est moi le patron. Et voilà, j'ai un greux à grandes dents. Ensuite, bon bah je te ramène. Ça j'imagine que c'est le serpent qu'on entend. Je vais aller voir. Avant d'aller voir plus loin, bah, je vais aller voir l'ours. Je peux capturer quoi sinon? Juste l'ours brun. Et il manque le léopard et le lion noir. Ok. Donc, je vais essayer d'aller chercher l'ours brun. Par contre, et à chaque fois je fais la même erreur, par contre, avant de traverser, on regarde s'il n'y a pas des bestioles qui veulent notre mort. Il semblerait que je puisse traverser tranquille. C'est plus agréable de nager sous l'eau quand même. Parce que nager à la surface, je trouve ça extrêmement désagréable. Alors quand on met la tête sous l'eau, c'est plus classe. Qui devons-nous sauver par ici?
les choses n'étaient pas prévues comme ça à l'origine, mais bon. Attendez, pas dingue. Jaguar, Namas Pamous. Il est où le monsieur? C'est bon, j'ai réussi à le sauver à temps. Oh, heureusement qu'il savait pas viser. Et heureusement que tu ne savais pas viser, toi, tu me fais plaisir. Tiens, rejoins notre population. Nous serons ravis de t'accueillir, mon ami. Et du coup, on va aller voir... Petit ours brun. Je sais plus quelles sont les paroles, hein. Non mais oh, tu croyais... Oh, 145, j'avais pas vu qu'on était si haut. Mais c'est bon, ça. Ça me plie. Ça me plaît. Vas-y, viens là, s'il te plaît. Vas-y, va les attaquer maintenant. Amuse-toi bien. J'ai un ours. Un ours, mes amis, un ours. Il ne me reste plus que le machin noir et... Haha, on fait moins le malin devant un ours, hein. Oh punaise, comment c'est rigolo de se balader avec un ours. Attendez. C'est quoi déjà la touche pour les compétences? On va faire comme ça, ce sera plus simple. Vas-y, attendez. Comment je fais pour... Allez, camarades! Ah, c'est génial. Je suis un homme à dos d'ours. Je suis pas sûr que j'ai marché, mais j'ai marché. Ça, je te fatigue pas trop, l'ours? Attends, je descends. C'est descendre. Oh, t'es un brave nounours, tiens. Attends, va pas trop loin, je veux... Non, je veux pas te monter, je voulais te faire un câlin. Est-ce que je peux te faire un câlin, au moins? Va pas si loin. Hé, hey, cow-boy. Ça en fait des noms qu'il va falloir trouver. Attends. Viens là. Tu es mon copain. Je veux te gratouiller là à l'oreille. Voilà. Oh, comme c'est mignon. J'en veux pas à la maison, ça serait terrible quand il faudrait changer la litière, mais... Oh là là, ça donne trop envie de jouer avec lui. Ouais, ouais, ça c'est du bon gros toutou. Bref, je suis désolé, mais je vais te renvoyer chez toi. T'as été un ami formidable, sache-le. On se reverra plus tard. Du coup, maintenant que ça c'est fait, maintenant que nous avons un gros ours comme compagnon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On pourrait aller voir ceci, par exemple. Mais en fait, j'aurais presque envie de faire une mission. Par contre, ça déconne complet, là. Ah oui, voilà. Conduisez un groupe de Wenja en lieu sûr. Mais par là, il y avait la mission de Tensei. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Telle est la question. En fait, j'imagine qu'on va faire ça, et on va arriver là, on va tuer tout le monde, et puis on aura fini la mission. Parce que là, il y avait une porte fermée, et il y avait des Wenja. Difficile. Difficile. Très difficile. Moyenne. Difficile. On pourrait s'occuper de ça, hein. Maintenant qu'on a adopté une grande partie de nos camarades, hop là, on va appeler Chat Noir numéro je sais pas combien. Où es-tu, Chat Noir? Ah, te voilà. Ça va, mon grand? Sache que tu es superbe, Chat Noir. Tout comme Gros Ours. Et des chèvres. Elle a failli sauter par-dessus la falaise, là. Non, ne vous sauvez pas. Wow,
des fois où ça rame un peu trop là. Non ? Oh punaise ! Il y a eu un petit coup de freeze là, j'ai bien failli descendre sans la corde des parents. Je viens te sauver, camarade Wenjas. Il y en a d'autres. Voilà. Mission accomplie. Voilà, ça suffit. Ça s'est fait. Et le 146 membres juste pour nous. Donc finalement, notre super chat noir finira par nous rejoindre en se téléportant, comme toujours. Ils sont quand même doués, hein, les animaux, dans le jeu, pour pouvoir se téléporter comme ça. Voilà, je l'avais dit. Tadam ! Bon là, si vous avez bien regardé la mini-carte, vous l'avez vu se déplacer très très rapidement. Moi j'ai volé ces animaux, ils sont en fait des extraterrestres. Ils ont décidé de venir sur Terre pour aider les joueurs et ils se télé... Avant de traverser l'eau, qui est la règle numéro 1, on tue tout ce qui nage. Du coup on va encore perdre Gus Gus. Même si c'est ton nom provisoire. Hein. Ah, mal à la mâchoire. J'ai passé mon dent à ditiller une dent qui cassait, du coup... Ça fait un peu mal, enfin ça... Bref. Bah. Ça sent le poisson, ça, j'ai vu l'aileron. Je me suis dit, toi t'as un poisson que j'ai envie de tuer. Avant qu'il ne me dévore tout cru. Il n'y avait pas d'autres amis avec lui? Non, c'est bon. Pourvu que la grotte soit pas trop haut placée, sinon on va être dans la mouise. On va essayer de vite rejoindre la terre ferme avant de croiser encore une fois un bestiau. Comme lui là-bas. Je crois que j'étais pas obligé de le tuer. Oh, c'est trop pour nous. Ah, par contre, il y a une main. Oh, punaise, la main, elle est au-dessus, quoi. Quelle arnaque. Bah, du coup, on n'a pas le choix, on va faire demi-tour, hein. Enfin, demi-tour, on va faire le tour. Plutôt, pas demi-tour. Je veux cette main, et je l'aurai. Vraiment, ça fait penser au rocher du Roi Lion, ce genre de choses. C'est l'histoire. Bon, je sais, j'arrive jamais à le chanter, mais bon. L'histoire de la vie. Alors, où dois-je aller? Je doute que la grotte soit en bas. Mais peut-être que c'est en face, là-bas. On tente là-bas ou... Parce qu'on n'y voit rien, il y a un brouillard dégueulasse. Je sais pas ce que c'est que ce temps-là, mais on n'y voit vraiment que de chi. Ça, on dirait les. Le trident de. Ah, D'Arlo, là, le voyage d'Arlo, je sais plus comment il s'appelle. Le dernier Pixarney. Attention, je saute! J'aurais pas dû faire ça, parce qu'il y a sûrement des gros poissons à l'intérieur qui vont vouloir ma peau. Pas de gros poissons pour l'instant? Non, il semble préoccupé par d'autres choses. Bon, j'espère ne pas avoir fait de bêtises. On va vite le savoir, quoi qu'il arrive. Eh, hey, mais c'est que mon jaguar s'est téléporté là où il le fallait, quand il le fallait. Ouh! Ah bah non, bah c'est presque du vide, j'ai l'impression. Nous trouverons la solution, mes amis. C'est dommage qu'on puisse pas le prendre sous le... dans le dos ou un truc dans le genre et Alors je suis censé y arriver comment ici, moi? On va aller protéger les Wanja des envahisseurs puisqu'ils le veulent. Et après il faudra que je trouve l'entrée de la grotte. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour protéger? Non, j'ai pas ça. Alors, on va faire le plein de bons petits objets.
Je suis là, chers amis, et vous ferez monter le taux de population dans mon village. Dans ma tribu. Là-bas. Ah, c'est bien, bravo mec. Mais t'éloigne pas du camp, reviens par ici s'il te plaît. Parce que là, genre, t'es pas du tout, mais du tout en sécurité, donc ça ne me rassure pas. Regardez-moi, je suis là. Ne visez pas les autres, s'il vous plaît. Vous êtes où, les gars? Et des scooby-dooby-doo. Ah, et des scooby-dooby-doo. Fallait pas foncer tête baissée vers moi, toi. Il y en a encore un là-bas. Faut y arrêter un moment. Oh putain, ils ont tué un, mince. Mais d'où est-ce qu'ils l'ont tué? Ça va pas être fini en plus, hein. Ils sont tirés dessus entre eux ou... On sait que c'est une mission Canex, mais bon, c'est un peu gonflant quoi les gars. Va falloir faire des efforts pour vous couvrir les uns les autres. Ah. Ils ont l'air de s'agacer. Parce que celui qui est mort c'est celui-là je crois. Ah non. Faut que tu te calmes, Gus. Hein. Alors, c'est lequel qui est mort du coup là? Est-ce que c'est pas le gars? Parce que j'ai l'impression qu'il en reste que deux en fait, ça me stresse. Là-bas. Venez par là, s'il vous plaît, avant que vous creviez bêtement. Mais arrête de me bloquer. Vas-y, va bien crever bêtement. On a fini, là, ou... Fini ou pas fini, du coup? C'est bon, cette fois on a fini ou... Je sais même pas où l'autre il est mort en fait. C'est toujours pas fini? Non, sérieux? Voilà, succès. Il en reste combien des gens là? De vivants? En espérant qu'ils viennent avec moi après, parce que sinon j'ai fait un peu tout ça pour rien quand même. On les a eus.
Notre victoire, mes amis, est totale. Enfin, presque totale dans le sens où il faut quand même encore... qu'on arrive à... Mais ils se battent contre quoi, là, eux? Donc ça ne fait pas de population supplémentaire? En fait, moi, j'en vois deux de plus. Il me semble que là, c'était le village, voilà. Mais on est à 149, plus qu'un, et on gagne plus 1 encore en compétences, enfin, en pourcentage ici, là. Enfin, plus 2, je veux dire. Donc ça va, il reste pas grand-chose non plus. Ours des cavernes et blaireau pour la prochaine étape. Que j'avais appelé putois, chose qui est totalement fausse tout à l'heure. Enfin, je dis tout à l'heure, alors que ça fait peut-être 2 semaines que j'ai tourné la précédente vidéo où je faisais putois à la place de blaireau. Mais ça risque d'arriver une autre fois, sûrement. Hein. Dans le genre là-dessus, je suis quand même le roi. Ou le bouffon du roi. Attendez, il y a l'autre mission là-bas. Alors je vais peut-être continuer la mission en fait que j'avais prévue au départ parce que je vois qu'il reste 4 petites minutes avant qu'on coupe la vidéo. Toi par contre, tu veux être le 150e, sois fier de toi. Ta-da-da-da. Youhou. Attends, c'est pas que j'ai pas envie de t'écouter en fait, mais alors attends, je suis où moi? Mais comment je vais partir aussi loin? On va aller prendre le bûcher vite fait si possible. Comme ça on terminera là-dessus. Ça me fera un point pour me déplacer rapidement. Je suis pas très loin non plus de l'avant-poste de la grotte Plantu. Pour ceux qui connaissent. Par contre, je sais pas trop comment on rentre là-dedans, du coup. À moins que ce soit ici. Et que ça me ramène là, mais ça m'étonnerait beaucoup. Quoiqu'il semblerait qu'ils disent que ce soit un lieu unique. Ouais, c'est un lieu unique, donc peut-être qu'on va aller voir. Mais on va d'abord se téléporter ici, comme ça, au moins je sais que d'une façon ou d'une autre, on pourra se permettre... On va récupérer de la vie aussi. Et voilà, 150 de population. Toi t'es un ami, sinon t'aurais déjà réagi je pense. T'as vu comme il m'a fait mal? Aucun respect pour les joueurs ce mec. Aucun. Va m'attaquer toi, je t'ai déjà dit. Si tu m'écoutes pas, je vais t'apprendre le reste. J'ai quand même des micro-freezes sur le jeu depuis quelques temps, je sais pas trop d'où ça vient. J'espère que c'est pas mon ordinateur qui est en train de souffrir et de mourir à petit feu. Ça embêterait quand même beaucoup. Vous entendez ce bruit? Oh comment ça rame! Parce que t'es plus solide que tes camarades, tu dois pas mourir. Non mais oh. Ça c'est fait. Et... efficacité superbe. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu es quoi exactement au juste d'ailleurs? Serais-tu un léopard par hasard? Parce que si tu es un léopard... Non, pas comme ça. Parti où? Non mais va-t'en pas comme ça, regarde. Wow.
quoi au juste? Je sais pas trop de quel animal il pouvait s'agir exactement, mais bon. Attention! Que le feu soit! À 40 minutes pile, à peu de choses près. Hein. Et voilà, 900 d'XP. Encore des gens à sauver, mais ce sera pour plus tard. Oh, j'aurais presque pu les avoir d'ici. Oh, sérieux, ils sont pas loin, quoi. Ah bah ça a disparu de toute façon. Pas trop compris pourquoi, mais ça a disparu. Bref, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstage.fr ou sur mon blog tissante3.fr. Passez une agréable fin de journée. Et à ciao tout le monde. Salut, je fais le plein en attendant. Voilà, une fois qu'on aura fini le plein, je couperai la vidéo. Salut !